Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de guérison, n'est-ce pas? Nous sommes mercredi 7 juin 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Eh bien aujourd'hui j'ai pigé, c'est fini, tout est fini. Car aujourd'hui j'ai les ressources pour faire face à ma vie. Les défis de la vie sont des opportunités pour me connecter à ma véritable nature. Pour certains d'entre vous, eh bien, vos plus grandes souffrances sont derrière vous. Les blessures, eh bien, elles se créent entre votre naissance et vos 7 ans environ, jusqu'à l'âge de vos 7 ans. Après, eh bien, vous allez revivre ce que vous n'avez pas réglé. Et quoi que vous soyez en train de vivre aujourd'hui, n'est-ce pas ? Cela n'a rien à voir avec ce que vous aviez vécu petit, car aujourd'hui, eh bien, vous avez des ressources que vous n'aviez pas pendant votre enfance et votre adolescence. Eh bien, cela change tout. Vos plus grandes souffrances, c'est de vivre des choses difficiles dans votre vie sans les outils internes pour leur faire face. Eh bien, dans ce sens, cette carte, elle vient à vous aujourd'hui. Soit vous avez ces outils, soit vous commencez un chemin pour y parvenir. Et à partir de ce moment, vos plus grandes souffrances sont derrière vous. Comme la carte l'indique, n'est-ce pas, aujourd'hui, tout est fini. Vous vivez peut-être avec les conséquences de vos blessures, peut-être de vos peurs, de vos croyances du passé. Et en même temps, fondamentalement, eh bien, tout a changé. Vous n'êtes plus ce petit enfant qui ne sait pas se défendre, qui était à la merci de son environnement. Vous avez grandi, vous avez acquis des compétences. Et pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, les personnes qui nous ont fait mal, soit ne sont plus là, soit n'ont plus le pouvoir qu'elles avaient sur vous, enfant. Tout est fini. Tout est derrière vous. Même si vous vivez aujourd'hui les affects de votre passé. Et plus vous avancez, plus vous évoluez, moins de force à le passer sur vous. L'évolution vous apporte un outil formidable. La vision juste, la conscience. Et avec eux, eh bien, les défis de la vie changent. Vous continuerez à en avoir et en même temps, vous les verrez d'une manière, eh bien, différente, comme des opportunités de vous connaître, de vous connecter davantage à votre nature véritable. Très, très beau message, n'est-ce pas? On termine avec le petit oracle des fées. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé la fée de la campanule. Parce que la gratitude permet de
de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, eh bien, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Waouh, quel beau message de nos fées. Voilà, la fée de la campanule. C'est une très jolie fleur, la campanule, je pense, hein, si mes souvenirs sont bons. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message, guérir de ces blessures émotionnelles, et Dieu sait que certains d'entre nous, nous en avons besoin. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée dans l'amour inconditionnel, dans la bienveillance, la tolérance, l'empathie, n'est-ce pas? Et puis moi, je vous embrasse tout fort et à demain.